Salut, bienvenue sur notre série de vidéos intitulée Apprendre les bases de l'informatique avec Pandé Tuto. Pour la leçon d'aujourd'hui, on va voir comment on peut effacer les icônes et les raccourcis qui sont sur le bureau. Par exemple, si vous voulez supprimer ces icônes-là, icônes Pandé Tuto, ce PC, réseau, corbeille, panneau de configuration, comment vous pouvez les supprimer du bureau et ces icônes-là aussi, comment vous pouvez faire pour les supprimer du bureau. Premièrement, je vais vous expliquer comment on peut supprimer les icônes, ces icônes-là sur le bureau. Donc, vous allez faire clic droit sur le bureau. Vous allez dans personnaliser. Une fois dans personnaliser, on clique sur thème. Dans thème maintenant, on clique sur paramètres des icônes du bureau. Dans une version précédente de Windows, ou bien les Windows 7, Windows 8, Windows XP, c'est sorti, changer les icônes du bureau. Mais dans ma version, c'est devenu maintenant paramètres des icônes du bureau. Dès que je clique dessus, donc vous allez cliquer dessus. Voilà. Maintenant, vous pouvez décocher ordinateur pour enlever ce PC, fichier d'utilisateur pour enlever ça, réseau pour enlever ça, corbeille pour enlever ça. Et panneau de configuration pour enlever panneau de configuration. Vous cliquez ensuite sur appliquer, vous faites OK. Donc on va aller vérifier sur le bureau, vous voyez, ce PC, tout ça là est parti. Il ne reste que les raccourcis avec ce symbole là. Vous voyez les flèches là, ça signifie que ce sont des raccourcis. Donc comment on peut supprimer ces raccourcis là? Donc si vous voulez supprimer des raccourcis sur le bureau par exemple, vous pouvez sélectionner les raccourcis que vous voulez supprimer. Ou bien si c'est un seul raccourci, par exemple c'est Access, je clique dessus. Je fais clic droit et je clique sur supprimer. Et c'est parti. Si vous voulez supprimer plusieurs raccourcis, par exemple, vous pouvez faire cliquer déplacer. Et voilà, je clique sur Del. Voilà, et c'est parti. Sachant que les raccourcis qu'on vient de supprimer, ce ne sont pas les applications ou bien le logiciel qu'on vient de désinstaller. Donc, désinstaller est différent de supprimer. Donc, si vous voulez ramener ces raccourcis sur le bureau, vous pouvez aller les chercher et les ramener, faire envoyer sur le bureau. Je crois que dans nos précédentes vidéos, je vous ai expliqué comment on peut ajouter des raccourcis et des icônes sur le bureau. Si vous avez bien suivi cette vidéo, vous pouvez les ramener sur le bureau sans problème. Donc, c'est juste ça que j'aimerais vous expliquer. Même pour les dossiers et les fichiers aussi, ça dépend. Vous pouvez même les supprimer. Et voilà, c'est parti. Tout ce que vous venez de supprimer là, c'est toujours dans Corbeil. Si vous voulez, vous pouvez les ramener. Pour afficher Corbeil par la suite, vous pouvez faire le même chemin, personnaliser. Vous cliquez sur thème. Et ensuite sur paramètres des icônes du bureau. Vous allez cocher corbeille. Vous faites appliquer. Vous faites appliquer. Et voilà, corbeille vient de s'afficher. Dès que vous entrez dedans, vous allez trouver les raccourcis que vous venez de supprimer. Vous pouvez même les restaurer. Par exemple, vous faites clic droit, restaurer. Vous voyez? Access est sorti. Outlook, je fais clic droit, je restaure. Soit je peux tout sélectionner. Et voilà, je fais clic droit, je clique sur restaurer, tous ces raccourcis-là vont réapparaître sur le bureau. Si vous voulez, vous pouvez même vider la corbeille, ça dépend de vous. Par exemple, je suis là, je fais clic droit, je vide la corbeille, vider la corbeille pour effacer tout ce qui s'y trouve. Et voilà, dès que j'entre là, il n'y a rien. Ce dossier est vide. Donc, c'est tout pour la leçon d'aujourd'hui. Dans 2 jours, je vais balancer encore d'autres leçons. Donc, n'oublie pas de liker, partager la publication. Invitez vos amis, pardonnez, invitez vos amis à venir liker la page et à suivre cette série de vidéos avec vous pour qu'ils puissent bien se lancer en informatique. Merci et bonne suite à vous.